Venons causer un peu. Zena Boitara, comment tu vas? I miss you too. Aisha Diamant Noir, salut, comment tu vas, ma soeur? Bonsoir à vous tous. Venons causer un peu. Il y a buzz. Il y a buzz, mais là, on s'en supprime. Moi, je ne sais pas pourquoi là, on s'en supprime. Il y a le buzz. Est-ce que c'est aujourd'hui Yves de Bella se comporte, la manière dont il se comporte? Hein? Yves De Bella a toujours été ce qu'il est. Qui, ce qui, qui vous a monté là, c'est ce qu'il est. Ce qui, hein? qui vous a monté à ce qu'il est. Qui là, il vous a donné ce que vous aimez. Vous qui promotez le lesbiennage à Abidjan. Là. Hein? Vous, vous promotez le lesbiennage. Voilà, on vous a donné maintenant à de, de, faire de viol. Ça vous choque. Je ne suis pas ici pour essayer de vilipender cette histoire parce que c'est quelque chose de très sérieux. Mais c'est pour qu'on ne soit pas surpris aussi, hein? Il ne faut pas que nous soyons surpris. Quand on voit des gens qui, qui sautent, après, dans un coin du tribunal, ça saute, ça applaudit des mamans qui sont contentes qu'une lesbienne, d'après eux, a gagné un procès. Mais c'est la perdition qui avait commencé depuis. Hein? C'est la perdition qui avait commencé depuis. Ils ont applaudi les lesbiennes. Alors aujourd'hui, on dit que c'est un violeur. Hein? Après, ça sert à quoi <laughs> Quand les gens viennent me parler, vous leur dis qu'ils sont jaloux. Ils prennent défense des gens. Hein? Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Mais quand il y a des trucs qui sont sensibles, il faut faire attention. Parce que quand vous applaudissez pour clac là, pour clou, clou là, pourquoi ça vous choque? Hein? Certaines personnes, genre, il n'a qu'à rentrer dans son pays, il n'a qu'à aller dans son pays. Quand je lis, ça me fait... Il n'a hein? qu'à rentrer dans son pays parce qu'il ouais, n'est pas, pas de l'Ouest. Hein? C'est une erreur grave qu'il a faites. Mais le lesbiennage aussi, c'est quelque chose de, 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 de pas bien. C'est quelque chose de pas bien. Mais on a vu des gens qui ont crié, applaudi. On a vu une usine ici qui a mis ça même dans son, dans son collège. Elle a mis ça dans ses dans vidéos là. On a vu des gens applaudir. Les lesbiennes ont gagné le procès. Vous faites des choses comme ça. Vous faites des choses à des heures des enfants. Moi j'ai pitié pour ceux qui élèvent les enfants en Côte d'Ivoire. J'ai vraiment pitié. J'ai pitié pour mes neveux, mes nièces. Parce que ce qu'on a vu là, c'est quelque chose de très dangereux. Quelque chose, c'est parce qu'on ne veut pas même dire des méchancetés. Sinon, le, le monsieur, c'est ce qu'il a eu à faire. Mais ça même la prostitution aussi. Parce qu'il était en jail même que le. Il a encouragé la prostitution, il a encouragé le Aoko, la masturbation. Il y a trop de grossiété à des heures qui ne sont pas recommandées. Hein? Des trucs qui passent à la télévision à des heures où tous les enfants regardent, ce n'est pas, pas normal. C'est pas normal. C'est un monsieur qui faisait son émission, rien à cacher. C'est un monsieur qui est vulgaire. Bon, J'étais choqué la première fois que je l'ai vu et il m'a posé des questions. mais J'étais choqué parce que moi, bon, le monsieur, s'il si me regarde, s'il y a des monsieur comme ce monsieur-là, il y a des comportements à ne pas avoir. Quand on a un certain âge, surtout, il y a des comportements, il faut faire attention parce que quand on a des comportements de ce genre, c'est des comportements vicieux. Moi, un homme comme ça, je ne vais pas le laisser, mon fils ou même ma fille de, de 3 ans ou 4 ans, jamais. Parce que des gens qui ne font que parler des culs, demander à une femme, tu apporté quel caluçon, quel dessous pour venir à l'émission. C'est des trucs qui, qui, qui n'est pas d'aujourd'hui. Hum? C'est des trucs qui n'est pas d'aujourd'hui. On ne veut pas essayer de vilipender le monsieur, mais c'est un truc qu'il faut que beaucoup de personnes arrêtent. Parce qu'on voit beaucoup de choses sur la toile, des personnes âgées, des femmes, on peut dire au moins ça a passé un peu, bien que ce n'est pas bien. Mais quand ça vient d'hommes, c'est dégueulasse. Parce qu'un homme qui a dépassé la quarantaine, la cinquantaine, qui peut être un grand-père, qui. qui, qui qui parle de certains sujets c'est répugnant quoi you know it's like it's ew it's disgusting donc c'est pas quelque chose de nouveau hein. ceux qui connaissent Yves Dembela aujourd'hui là c'est pas quelque chose de nouveau il a donné au fait il a donné son lui quoi ce sont lui il a donné il a un peu poussé il a poussé un peu trop fort avec la démonstration du viol mais c'est son, son lui qui est là c'est Yves Dembela qui est là pour ceux qui connaissent ce monsieur c'est lui qui est là on ne veut pas vilipender le monsieur parce que c'est ça qui est là. Moi, je vous dis ce dis, qui est ça. Moi, j'ai vu le monsieur. On a été dans la radio. C'est un monsieur qui parle de tu as fait ça hier nuit, tu as aimé, ton mari a aimé, tu as fait comme de courses C'est comme ça le monsieur est. Donc, si quelqu'un veut être vulgaire, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des heures, il faut que ça se fasse à des heures, you know, à des heures précises. Si vous devez faire ce genre d'émission, faites ça à des heures précises. Il y, 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 euh, y, euh, y a des sujets très sensibles à ne pas vraiment même reproduire. Il y a des sujets qu'on ne veut pas reproduire. On ne veut pas reproduire quelqu'un. Parce que je vois des gens qui viennent, qui envoient des gens, ce n'est pas, pas. pas la première émission qui a envoyé. Papi Pao a écrit quelque chose là. Ce n'est pas la première émission qui a envoyé des criminels. Ce <laughs> n'est pas la première émission qui a envoyé des criminels. Mais ce midi n'a pas eu à faire ce tact qu'on a vu hier. Là. Ne mélangez pas les choses. Ces midi a envoyé des brouteurs, oui. Ces midi on envoyé des, 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 des... Comment on appelle ça? Euh, des, 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 ceux qui ont des couteaux là. Euh, les, les enfants de la rue là, comment on les appelle encore? Euh, euh, comment on les appelle les enfants là? Hein C'est midi envoyé ces, 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 des criminels de ce genre-là. Euh, C'est des choses qu'on voit au fait dans la, dans la rue. On voit ces trucs là. Des gens qui coupent ta chaîne et puis courent à Jamé au Black, on t'arrache le truc et puis ça là c'est des trucs qu'on voit ça. Mais le viol c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la journée, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est malsain, ça n'a rien à voir avec le, le, quelqu'un qui va t'agresser et voler to, ta chaîne ou euh, un braqueur, c'est différent en fait. Ne mélangez pas les choses. Les microbes, merci. sont chaud la travail. On a envoyé des microbes à ces midi. des microbes se sont répandus, voilà, ça, ça c'est des trucs qui ne sont pas bien, mais ça n'a rien à voir avec le viol. Ça n'a rien à voir avec le viol. Non, il, franchement, il ne devait pas. Zenab Ouattara, ce genre d'émission, franchement, on ne devait pas le voir. Non. Parce que c'est déjà, déjà même des émissions qui passent à des heures où, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, en Afrique, ils ont, les enfants, on regarde la télévision avec nos parents. Les enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, on est tous assis au salon. Ce pas des choses qu'un enfant va regarder avec ses parents. Et quand tu es un monsieur, tu es un grand-papa de ton âge. Toi-même, quand tu sais que les gens regardent ton émission, il y a choses, il faut avoir un peu une gêne. Il ne faut pas faire des trucs alors que tu sais qu'il y a des gens qui regardent. Tu mets les gens mal à l'aise. Et quand tu mets les gens mal à l'aise, moi, je suis désolé, mais il ne faut pas qu'on accuse les invités qui sont là parce que j'ai regardé, pas, quand j'ai fait ma première vidéo, je n'avais pas regardé toute l'émission. Mais maintenant, j'ai regardé 20 minutes de l'émission avant même qu'on ne vienne sur le violeur. Il y avait un Congolais qui est venu pour faire la promotion de sa musique. Donc, c'est clair que l'émission a été, a été préparée. Le viol et tout ça a été préparé. Mais c'est qui l'acte qui s'est posé là Je suis sûr que l'acte ne s'est pas posé pendant que les, les gens étaient dans la salle. Sûrement, ils ont eu à faire un briefing. Et sûrement, même peut-être chacune des personnes qui ont été invitées sur le plateau ont eu à avoir leur propre briefing. Parce que moi, quand j'ai été à la radio, moi, j'ai été invité à rien à cacher. J'ai été invité, j'ai eu à. Mon briefing était pour moi seul. Mon briefing, j'ai été pris d'un couloir. On m'a briefé, c'est que, au fait, j'allais faire. On m'a demandé la musique que je voulais jouer, mais si je voulais faire mon acapella. Mais ceux qui étaient dans la salle, je, moi, je ne savais pas le briefing. Donc, je pense que le briefing, je suppose, pas sur le même contexte. Donc, je suppose que le briefing, il est, il est pareil comme celui que j'ai eu. C'est-à-dire que le, le chanteur, son briefing est différent du briefing du violeur. Et c'est différent aussi du briefing de Emma Donc, c'est clair que ceux qui sont assis ici, le, le, la table, là, ils ne vont pas être au courant forcément qu'il a, a, a eu, il y a eu là un acte de, 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 comment on appelle ça, de reconstruction de reconstruction de, de viol. Je suis sûr qu'il ne savait pas ça parce que voilà moi personnellement si je savais qu'il allait y avoir un acte de reconstruction j'allais pas être à l'aise pour rester sur le podium mais je ne vais pas forcément blâmer ceux qui étaient là bas pas sur le podium sur la toile sur le you know, you know what I'm saying je vais pas blâmer forcément ceux qui sont là bas parce que ils sont venus l'autre est venu pour sa musique il y a Emma Loès qui est là, je ne suis pas sûr pourquoi elle était là-bas. Mais pour des gens qui vont venir pour insulter Emma Loès pour dire que c'est un mouton et tout ça, j'ai vu des vidéos pour dire que c'est un mouton. Mais vous exagérez un peu parce que voilà, il ne faut, faut pas blâmer les gens qui sont sur le, sur le podium. Le monsieur, il est ce qu'il est. Yves Dembélé il est ce qu'il est. Ce qui sort de sa bouche, il n'est pas un enfant. Pourquoi on contrôle ce qui sort de sa bouche Je ne sais pas si on se comprend. Donc ce qui sort de sa bouche n'est pas forcément ce que peut-être il a eu même à briefer avec l'invité qui est le violeur. You know? Parce que je, quand j'ai regardé la vidéo, quand il avait voulu que le, le violon parte Pour démontrer la chose là Je ne sais pas si c'est moi Mais j'ai comme eu l'impression que le violon ne, ne voulait pas se lever Et puis il a dit, viens, viens, viens Et puis ils ont commencé à applaudir Pour que le monsieur parte dessus où le, le mannequin est. Donc peut-être c'est un truc qui a été un peu improvisé Je suis sûr que peut-être le mannequin n'a pas été improvisé Parce que voilà, le mannequin ne peut pas être improvisé hein. Un mannequin Il ne peut pas être juste là-bas dans la salle C'est un mannequin qui a bien été acheté Pour que ça soit là-bas mais ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire, ne blâmez pas les gens qui sont sur là-bas, le Emma le chanteur et les autres là, ne les blâmez pas parce que chacun peut avoir ses briefings. Chacun est sur le podium pour ses, pour ses propres problèmes. Et comme je, je reviens pour le dire, moi mon briefing c'était mon briefing de chansons. Le jour-là, rien à cacher, c'était le briefing des gens. Il y avait un monsieur qui était un cuisinier, il y avait un autre qui était un poète. Donc chacun a eu son tour pour parler au fait de ce pourquoi il était sur. Il était dans l'émission, qui n'a rien à cacher. Et comme c'est un peu le même concept, voilà, c'est un peu ce qui est là. Il y a eu un violeur, il y a eu un, un Congolais qui était là-bas aussi, qui est venu parler de ce qui est venu danser là-bas. Et Emma Louès était là-bas. Donc ça n'a rien à voir avec ces personnes qui étaient là-bas. C'est le monsieur, le genre de, de monsieur doivent se contrôler quand ils font des, des émissions qui passent à des heures qui ne sont pas tardives. Parce qu'on a nos neveux, nos nièces, nos petits frères, bon, qui regardent les, les émissions et ce n'est pas beau. Partager le live. Partager, c'est aussi informer, c'est aussi sensibiliser. Parce que moi, je suis venu ici aujourd'hui pour, pour faire ce que lui n'a pas pu faire, ce que Im Debela n'a pas pu faire. Moi, je suis venu aujourd'hui pour dire à mes petits frères, c'est pas bon de, la, la, la masturbation, c'est pas une bonne chose parce que c'est comme s'il était en train de encourager les gens à faire le aoko. On a tous entendu ce qu'il a dit que le gars le gars fait aoko maintenant. Le gars, le gars fait quoi Il préfère, il est maintenant. Trop de choses pour quelqu'un de son âge qui était dégueulasse. Hein? Je, je vois son apologise, je vois son, son... Il demande pardon, mais en même temps qu'il demande pardon, il peut-être ne voit pas la gravité de ce qu'il a eu à faire. Parce qu'au fait, il a été toujours ce qu'il a été. Il a toujours été vulgaire, donc il ne voit pas peut-être la gravité de ce qu'il qu a fait. Et c est, c est, la faute, ce n'est pas forcément lui. La faute c'est nous, les c'est nous qui les regardons. La faute c'est ceux qui sont invités qui ne sont pas gênés. Moi j'étais gêné, donc le monsieur n'avait pas eu à me poser trop de questions parce que voilà j'étais gêné que je, je, ne, je ne donnais pas au fait ce qu'il voulait. Mais dans ma salle où j'étais là, les gens, ça ne les dérange pas. Quand on les demande, ils ont mou, combien de fois, combien de caleçons ils ont porté, quels caleçons ils ont fait. Ça ne ça les dérange pas, ça rigole, ça rigole. <laughs> Donc le monsieur, il se sent à l'aise. Quand tu donnes quelque chose à un public et puis le public, il est à l'aise avec ce que tu donnes. Mais c'est clair que toi, tu vas te dire que oh, ça va, tu ne déranges pas. Donc moi, je n'ai pas eu trop de... de, de il n'a pas eu à communiquer trop avec moi. Parce que voilà, you know, je n'étais pas à l'aise. Donc au fait, même, je voulais même que l'émission finisse vite et puis je parte. Je voulais qu'il finisse le pas. Je me rappelle qu'il a eu à dire. Il ne peut pas se rappeler de moi, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, parce que j'étais masqué. Quand j'ai commencé à vouloir faire la musique, je me masquais parce que je ne voulais pas qu'on sache au fait qui j'étais. Donc, euh, il ne peut pas savoir. C'est pourquoi j'ai dit dans ma précédente vidéo qu'il ne peut pas savoir qui, il est, qui je suis. Donc, je euh, vous dire que quand tu aimes ce que quelqu'un fait, la personne va continuer à te donner ce que tu, tu, tu aimes. Donc, euh, une sanction est importante. Il ne pas que ça se reproduise encore. Et puis. Voilà, l'émission a été maintenant, apparemment, euh, a, a été ajournée. Donc, euh, au lieu de, du 3 septembre, c'est fini. L'émission est finie, quand, je ne sais pas, Nouvelle-Lord, quand ils vont le faire encore, je ne sais pas. Oui, tu as raison, c'est Yves a été toujours vulgaire. Il a toujours été vulgaire. Ce n'est pas normal venant d'un père de famille. Apparemment, c'est un père de famille, ce n'est pas normal. Il ne peut pas te lever comme ça pour parler de. Il faut avoir un peu de. Un peu de... Aucune. Euh, you know Aucun gêne. Non, moi je ne pas grandir pour être un tonton comme ça. Non, du tu Non. Et même si tu veux être un tonton comme ça, tu peux être un tonton comme ça, mais pas devant tout le public. Avec tes neveux, si, si ça passe en toi et avant toi et tes neveux, déjà, mais ça ne passe pas avec moi et mes neveux de ces gens parce que la vulgarité, c'est vilain en fait. C'est vilain. Donc, tu ne peux pas lever pour, pour, pour raconter des choses de ce genre. Devant la télévision qui est regardée par des enfants de 3 ans, 4 ans, après, vous êtes, vous, vous, après vous, vous êtes surpris que des enfants, you know. Les enfants qui à jeune âge disent des choses. Après, vous êtes surpris. Non, ils ne seraient pas surpris parce que c'est vous qui encouragez ça. Bon, il y, y a Michel. Michel dit que... Michel, quoi? tu dit que l'autre animatrice et puis Emma Loes, elles n'ont rien dit sauf se marrer. Tu sais, les émissions, là, quand ils font là, il hein, ne faut pas qu'on voit ça de ces manières. Moi, je ne veux, veux pas dire qu'elle est en train de se marier par rapport à ce qu'on pense. Parce que je ne je, je peux pas concevoir qu'Emma va être contente, que voilà, le monsieur va faire des gestes de ce genre sur, le, sur le mannequin. Et puis, ça va. Ça, ça, non, Emma ne peut pas faire ça. Emma ne peut pas faire ce genre de Je pense qu'il ne faut pas qu'on interprète les choses. Parce que, you know, en tant que femme, tout le monde doit être sensible. Au, au viol. C'est un truc qui est très, très sensible. Donc, non, il ne faut pas qu'on jette la pierre à ces deux dames qui étaient là, parce que ce pas ces deux dames qui ont posé la question au monsieur. Hein. Et puis quand le monsieur posait la question, on n'a pas forcément vu, franchement, moi, ce que moi j'ai regardé, là, la, la vidéo de 20 minutes, là, je n'ai pas vu Emmanuel, Emmanuel Emma rire. Euh, je l'ai vu rire, je n'ai pas menti, je l'ai vu rire, mais je ne peux pas forcément dire qu'elle riait par rapport à ce, que, ce qui est en train de se passer. Parce que... Quand, quand on, on enregistre une émission, les montages peuvent faire de sorte que tu vas penser que la personne peut-être riait pendant qu'il y a quelque chose d'inapproprié qui était en train de se faire dire, alors que le rire de cette personne était peut-être taquiner quelqu'un à côté. Ce n'est pas pareil. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Mais moi, je ne veux pas accepter même que peut-être Emma était contente et elle était à l'aise avec ce qui se passait. Je ne veux pas qu'on dise ça parce que en disant ça, ce n'est pas gentil si ce n'est pas, si pas le cas. Moi, je pense que la personne qui est ici à blâmer. Qui est plus âgé que Emma l'Ouest, c'est le monsieur qui est là que nous voyons. Qui, 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 qui on n'a jamais vu Emma faire ce genre de choses. On n'a jamais vu Emma être vulgaire dans son, dans son, dans son parler. Emma n'a jamais eu de comportement comme, comme on appelle ça, monsieur, monsieur qui est euh, Yves Nembella. je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses, il ne faut pas qu'on essaie de prendre le problème pour mettre ça sur tout le monde. Il est reconnu comme quelqu'un qui est comme ça. C'est lui qui a conduit ce qui s'est passé qu'on a vu là. Même si Emma même a, a ri de gauche à droite, c'est pas bien que ça se fasse. Mais il ne faut pas qu'on déplace ça pour mettre ça sur quelqu'un d'autre. Parce que peut-être il est rié par rapport à, à quelque chose d'autre qui n'est pas forcément ce qu'on pense que c'est. OK Je ne suis pas en train de défendre, mais je suis en train d'essayer de responsabiliser les choses. Parce que le responsable ici, c'est le monsieur. Thank you for the stars. Merci pour les étoiles, Récine. Merci pour les étoiles à tous ceux qui me donnent les étoiles. Donc voilà, je suis en train de dire ça parce que je pense qu'il faut que le monsieur il prenne vraiment beaucoup de sagesse. Parce qu'il n'est plus jeune. Je, 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 je n'ai pas jeune et même si tu es jeune même, il y a un langage qu'il faut avoir. Il faut avoir un langage. Il ne faut pas être. C'est pas beau d'être vulgaire. Moi, je pense que c'est pas beau d'être vulgaire, surtout quand on est regardé par des les, les enfants. Ok? Quand on est regardé par des enfants, il y a, a quelqu'un qui, qui a dit un commentaire ici. C'est ce qui a fait que j'ai voulu faire mon live parce que les gens sont tellement rapides à dire des choses et après c'est eux-mêmes qui se contredisent. Je lis quelqu'un ici qui dit, il y a quelqu'un qui dit euh, qu'il s'est désabonné. Okay. Qui qu désabonné. Il y a quelqu'un qui dit qu'il s'est désabonné. Il s'est désabonné de la page, euh, de la chaîne. Et puis, il aimait attirer l'attention de tous pour dire que nous sommes tous coupables. Et puis, il dit, on voit des jeunes filles mal habillées dans les rues et personne... <laughs> Et moi, je lui dit, bon, il y a des gens qui sont des violeurs, eux, les conscience est en train de les fatiguer, ils sont en train d'embrouiller les gens. Toi, tu vas voir une jeune fille, même si une jeune fille entend en train en caleçon, toi, 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 toi là, qu'est-ce qui te fait dire parce qu'une fille entend en train en caleçon, toi, il faut partir pour la violer. Tu vois des comportements bêtes de ce genre. Des comportements bêtes parce qu'une fille a porté caleçon, elle en train passer là-bas, donc toi, ça te donne le droit de vouloir le sauter sur la fille. Hein? C'est quelqu'un qui a écrit ça. Il a écrit un long truc comme ça. Donc, j'ai voulu faire une vidéo même, j'ai voulu faire mon live là pour venir parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de mentalité là. Parce que les filles s'habillent sexy, tu prends les sartes dans donne le de partir sauter sur la fille. Hein? Il ne faut pas penser ce genre de choses. Les petits frères qui me regardent, ne lisez pas les commentaires de ce genre et pensez que c'est normal ce qu'il est en train de dire. Si une fille s'habille sexy, il, dit, il, donne, il a donné un exemple, il dit on voit des jeunes filles mal habillées dans les rues et personne n'en parle. Qui va venir en parler pour toi Yeah, c'est la justice qui va te mettre en prison c'est tout et puis il dit des personnalités posent presque nues sur les réseaux sociaux comme Alissa Zena hein, ça ne choque personne yeah, c'est ce que le monsieur il dit hein. il dit que Alissa Zena sa vie, elle, est, elle est sexy donc parce que quelqu'un s'habille sexy donc toi tu, tu, voilà, tu vas bander désolé pour mon, pour mon, mon, mon langage des gens c'est tellement taré parce que toi quelqu'un s'habille sexy donc toi voilà, tu vas te mettre dans tes sens pour pouvoir penser que c'est parce qu'elle s'habille sexy qu'elle a le droit d'être violée non c'est pas comme ça. Hein? Et toi, il faut te contrôler. Il faut te contrôler parce que quelqu'un est sexy, ça te donne pas le droit de penser que tu peux faire quelque chose à cette dernière. Alright. Donc, ne mélangeons pas les choses. Le monsieur, il a fait son apologie. Moi, je pense que il faut qu'il apprenne de cette erreur parce que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Et nous aussi, il faut que nous soyons de bons exemples. Il faut que nous n'encourageons pas la bêtise. Parce qu'une des bêtises qu'on a vues il n'y a pas longtemps, je vais dire et je vais le redire. C'est le lesbionnage. Le lesbionnage qui a été applaudi. Applaudi. Salué. Salué ici. Des mamans du sel, mais qui étaient très contentes. Que quelqu'un est contente d'être fille garçon. OK Elle est contente d'être fille garçon. Ce qui est choquant, hein C'est choquant. Parce qu'on a quand même se dit la vérité. C'est choquant. Quelqu'un, on ne sait pas au fait qui il est. C'est choquant. On n'est pas contre ça, c'est la personne, il n'y a pas de problème. Mais pour saluer ça, pour applaudir, parce qu'une autre dit qu'elle, même si elle est sale, elle ne veut pas que toi tu viennes pour dire. Cette dernière-là a été vilipendée, mais c'est pour celle qui est deux là. Pour celle-là, ça a été applaudi. Donc nous, on est dans la faute de beaucoup de choses. Mais étant présente, elle pouvait montrer son mécontentement, oui, parce qu'on parle d'un viol et de violets présents. Michel, à peine quoi, s'il dit « Emma pourrait monter son mécontentement. » Ah, c'est Chacun est différent. Pas, chacun est différent. Si elle n'a pas monté son mécontentement, le, il y a certains qui disent qu'elle était gênée, mais ce pas lié pour partie. Moi, personnellement, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui me plaît. C'est quelqu'un qui me dérange pas. OK Moi, je veux être, je veux être juste. Peut-être qu'elle pourrait se lier pour partie. OK Peut-être elle pourrait se lier pour partir. Mais moi, je ne veux pas responsabiliser quelqu'un qui n'est pas responsable du show, qui n'est pas responsable de l'émission. You know, moi, je ne veux, veux pas responsabiliser cette dernière. -là. Je ne veux pas. Je ne veux pas responsabiliser cette dernière. Mm -mm. Je ne veux pas du tout. Parce qu'à preuve du contraire, Emma Louès ne travaille pas pour l'émission. Elle est venue en tant qu'invitée. Donc, c'est-à-dire que. Donc, donc accuser le, le, le Congolais Azo, lui qui a dansé beaucoup, même là-bas, là. -bas, là. Lui-même qui a dansé, qui a ouvert ces scènes du Congo-là. Pourquoi on parle pas de lui Pourquoi c'est Emma Loess Parlez de lui aussi. Lui aussi c'est un artiste. Mmh? Et Michel, tu vois de quoi il est non Lui aussi il est là. Hein? Pourquoi c'est la bouche de Emma C'est le nom de Emma Loess qui sort. Il y a lui aussi le Congolais qui dansait. Lui-même il a dansé même pour dire même qu'il était à l'aise où il était. Parlons de lui aussi. Mmh? C'est Mbella qui est le problème. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Moi personnellement c'est ça. C'est ton point de vue, il n'y a pas de problème. Mais c'est Mbella qui est le problème à l'heure. Étant donné, tu dis qu'elle pouvait faire quelque chose, mais moi je pense que pas forcément. Pas forcément. Et puis qu'est-ce qui a mon attention encore Il y a, y a beaucoup de personnes qui sont très dangereuses sur la toile. Il hein? y a beaucoup de personnes qui sont très dangereuses. Euh, donc il faut faire attention. Les enfants, en tout cas, qui regardaient l'émission, j'espère que ce que vous avez vu là, ce n'est pas quelque chose qui, qui va vous faire penser que c'est quelque chose de normal. Parce que vous voyez là, c'est très fort. La toile s'est rempli sur la toile. Le tonton, j'espère qu'il va se ressaisir parce que voilà, c'est un comportement à ne pas avoir. Moi, j'ai voulu faire la sieste depuis la ça pas. idée à terme et un peu beaucoup à vous. Ben, et quoi, je commence à être fatigué. Donc, on causait plus tard. C'est un sujet très sensible et très important. Au fur et à mesure que les choses avancent, si je suis sorti pour dire quoi que ce soit que j'ai oublié, je sortirai. Et puis, je ne travaille pas aujourd'hui. Donc, vous allez me voir beaucoup. <laughs> c'est un défaut, ça va porter vous bien. On cause plus tard, ok? Uh, bye.